Chers Brévinoises, chers Brévinois, voilà maintenant un an que nous vivons avec le Covid. Nous ne pouvons plus aller au cinéma, nous ne pouvons plus aller au spectacle, nous ne pouvons plus aller au concert, ni même dans les musées. La seule chose que nous ayons le droit de faire, c'est de se promener dans la ville, de profiter de la beauté de Saint-Brévin-les-Pins. Alors, nous avons pensé à quelque chose pour la culture, tout simplement vous apporter la culture dans notre ville, puisque nous avons le droit de nous y promener. Depuis une semaine, vous avez dû voir dans nos panneaux sucettes l'art dans la ville, avec une citation de Pablo Picasso, « L'art lave notre âme de la poussière du quotidien ». Nous avons trouvé que cette citation correspondait parfaitement au contexte actuel. Dès demain, dans les panneaux sucettes, nous allons vous offrir une certaine mise en bouche, en quelque sorte, où vous allez pouvoir découvrir 11 œuvres. 11 œuvres, 10 dans les panneaux sucettes et une qui sera sur la façade de la mairie. Des œuvres d'artistes plus ou moins connus. Et nous allons organiser un concours avec vous. Sur chaque œuvre, il y aura un numéro. À vous de reconnaître à la fois l'artiste et le titre de l'œuvre. Pour cela, vous trouverez donc un bulletin de participation dans le Bref Info. Les gagnants, les 10 premiers gagnants, auront droit donc à un cadeau pour avoir reconnu ces différentes œuvres. L'art dans la ville, c'est quelque chose qui va être mis en place durant toute la saison. Nous souhaitons que Saint-Brévin soit à la fois un musée, une salle de spectacle, quelque chose qui va pouvoir faire vivre la culture qui a été mise à mal durant toute cette période du Covid. La première chose que vous allez pouvoir voir, c'est une nouvelle fresque qui va être située en entrée de ville, sous le pont de la Route Bleue. Il y avait jusqu'à maintenant une fresque qui commençait un peu à dépérir, et nous avons choisi d'en faire une nouvelle. Pour cela, nous avons fait un appel à concours où nous avons eu 27 candidats qui ont répondu. Nous en avons sélectionné 3 qui se sont présentés, qui nous ont fait une maquette. Et puis enfin, nous avons retenu 2 candidats, un binôme, Escat et l'œil, qui vont à partir de la mi-juin nous faire découvrir cette fresque qui sera très colorée. Et il nous faudra sans doute voir cette œuvre à plusieurs reprises de façon à découvrir tous les petits détails qui représenteront notre ville de Saint-Brévin. Ce n'est pas tout, ils participeront également à faire une fresque sur le mur de la maison des associations, mais cette fois-ci de façon participative avec des associations. Ensuite, à partir de fin juin, nous allons avoir une exposition sur la ville, une exposition des œuvres d'Alain Thomas. Alain Thomas est un peintre nantais qui fait des toiles très colorées. Et cette exposition, donc à ciel ouvert, sera située à la fois dans le parc du Pointeau, au Pointeau, et également dans la ville, au niveau de Saint-Brévin-l'Océan, devant des villas remarquables. Au niveau de cette exposition, il y a environ 70 toiles d'Alain Thomas et puis ce que nous appelons des tondeaux, c'est-à-dire des œuvres qui sont situées dans les arbres, dans les pins, de façon à ce que, en famille, vous puissiez découvrir toutes ces œuvres et vos enfants devront retrouver, en fin de compte, car dans chaque tondeau, il y aura une représentation d'oiseaux et vous devrez reconnaître quels sont les oiseaux représentés. Ça permettra de faire toute une découverte à la fois de ses œuvres, d'une part, et puis des villas de Saint-Brévin-l'Océan. À cela va s'ajouter une œuvre monumentale qui sera sur la casemate à côté de la maison du gardien au Pointeau, qui sera entièrement recouverte d'une œuvre d'Alain Thomas. Toutes ces œuvres seront présentes jusqu'aux vacances de la Toussaint. Après toutes ces œuvres, nous aurons également un peu de sculpture. Nous aurons bien entendu la deuxième édition du symposium de la sculpture au Pointeau, courant juillet. Et puis, vous allez voir apparaître sur un bunker à côté du musée de la Marine une œuvre
Thomas Monin, hein, Aurora, qui est une baleine grandeur nature, qui sera phosphorescente, hein, ce qui nous permettra de la voir dans la journée, bien sûr, et surtout de la voir à la nuit tombante, où vous verrez cette baleine qui prendra donc des couleurs. Ensuite, on aura, début juillet, quelque chose de nouveau, puisqu'on aura le premier festival d'art lyrique, hein, qui est organisé par Sigrid Bernard, qui est un Brévinois, qui est également directeur d'une école d'art lyrique sur Paris, et qui va organiser ce premier festival d'art lyrique. Ensuite, eh bien, on retrouvera tout ce qui s'est passé un peu l'an passé, avec, comme je l'ai dit, le symposium sur la sculpture, différents spectacles, d'autres expositions, et cela tout au long de l'été sur notre belle ville de Saint-Brévin. Donc, comme vous le voyez, tout cet été, c'est la culture qui vient à vous. L'art est dans la ville, et ce qui va nous permettre d'oublier un peu ce que nous avons vécu pendant un an avec le Covid. Donc, voyez, on peut vous annoncer dès maintenant que